De retour donc à la foire internationale, encore et toujours dans le hall 1 pour parler encore et toujours ameublement, rénovation, bref, là où vous habitez et comment vous habitez. Il y a quelques instants, nous étions avec des jeunes qui avaient monté une société qui fait tout de A à Z, qui trouve, donc qui peut même trouver votre maison et puis après qui vous fait des propositions d'aménagement, qui fait l'aménagement, enfin bref, vous leur laissez les clés et vous avez ensuite la maison qu'il vous faut. Nous continuons toujours avec des jeunes, des Girondins, encore et toujours. Ils sont basés, eux, à Tresse. Nathalie Le Bronec, bonsoir. Bonjour. Et David Agostini, bonsoir également. Bonsoir. Alors, vous pourriez très bien travailler avec la société Décorée qui était avec nous il y a quelques instants, puisque vous faites spécifiquement dans le meuble. Hein ? Expliquez-nous ouais, ça un petit peu. Tout à fait. On est une société qui fabrique donc dans l'ameublement des tables. Donc ça peut être table basse, table de salon pour 6, 8, 10 personnes, table de conférence. On est aussi capable de réaliser des projets sur mesure, c'est-à-dire de réaliser des plans de travail ou encore des étagères pour des bibliothèques, donc comme on va l'aborder, en bois et résine. Alors voilà, ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est bois et résine, donc ça tient tout seul. Tout à fait. Ah ouais? En fait, le concept, c'est de faire un moule, ouais. D'y mettre les pièces de bois. Ouais. Du bois, ça peut être du noyer, du chêne, n'importe quel bois noble, et d'y couler de la résine. Et l'ensemble, après, la résine a un procédé chimique qui fait qu'après, ça durcit. Et ça accroche vraiment les deux parties entre elles. Oui, donc après, j'imagine que ça fait en plus des meubles assez particuliers, uniques, quoi. C'est ça, hein, chaque meuble est unique. Oui, chaque meuble est unique parce qu'on se base, nous, on se base sur la pièce de bois en premier. C'est-à-dire qu'on va rechercher le défaut dans la pièce de bois pour aller la sublimer après avec la résine. Donc vraiment, chaque conception est unique. On pourra vous refaire, si vous voyez quelque chose qui vous plaît, on pourra vous refaire quelque chose mais qui ressemblera, oui. Mais jamais la même pièce. C'est impossible. Ça fait 2 ans hein, que vous travaillez là-dessus. Tout à fait. Et ça vous a pris comment? On dit, tiens, si on faisait tellement bois. Non, en fait, ça vient d'où l'histoire là, c'est de l'inspiration, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est assez tendance, c'est quelque chose qu'on voit un peu passer sur les réseaux sociaux, comme beaucoup d'entre vous ont déjà pu le voir. Donc nous, on s'est inspiré, on s'est dit, ben, on aimerait faire ça, ça nous plaît, eh bien, on va se lancer, on va faire des essais. On a fait des essais, on a essayé de pousser le concept, essayé de voir comment ça réagissait en atelier. On a travaillé aussi sur toute la partie finition de notre projet. Parce que la résine, c'est un travail qui est assez dur à travailler. Ouais. Et pour avoir une finition parfaite, c'est pas mal d'heures de travail. Ouais. Et après, vous avez quelle formation là, pour vous? Vous êtes chimiste, menuisier? Moi, je suis menuisier. Vous êtes menuisier? Moi, je suis issu de la métallurgie. D'accord. Et on a dans notre équipe, donc je pense que vous allez en parler après, mais on a à côté de nous certaines personnes qui nous aident, et notamment une chimiste qui nous aide sur la composition, la réaction des composants. Ouais. Qui n'est ni plus ni moins que mon épouse. Ah d'accord, ok. Oui, c'est une affaire de famille. Hein. Tout à l'heure, nous avions la famille Pogo sur avec nous, hein, frères et sœurs. Et là, c'est une histoire de... Pas de famille, mais d'amitié, quoi. Hein, et à partir de ça, ben, vous êtes tous dit autour d'une table basse et en bois, peut-être pas, pourquoi pas. Un jour, dit, mais tiens, si on faisait un truc avec ça, c'est ça? C'est exactement ça. C'est ouais. Au cours d'un apéro, sûrement, mais oui. On a dû... Avec modération, bien évidemment. Bien sûr, bien sûr. Bien tout à fait. Bien évidemment. Non, mais on a parlé de notre envie de... On aime ce côté entreprendre. Et on est tous les deux amoureux du bois, on aime la fabrication, on aime l'artisanat français et on voudrait aussi, au travers de notre société, pouvoir emmener l'artisanat français plus loin. Donc on s'est dit, ben, quelles sont nos compétences, qu'est-ce qu'on aime, quelles sont les tendances? Bon, ben, on va essayer et puis on a fait des essais dans notre garage et puis au fur et à mesure ça s'est développé, etc. Et on a réussi à attirer une clientèle. Ouais. C'est une histoire un petit peu... Ça, commencer dans un garage et finir milliardaire, ça me rappelle un truc, ça. Ça rappelle un petit peu Steve Jobs ou Amazon ou des choses comme ça. C'est ça, ouais. C'est ça. Justement, on a pensé à prendre des photos de notre garage pour plus tard. Et après, il y aura un musée. Tout hein, à fait. Tout à fait. C'est là que tout a commencé, etc. Voilà. Il y aura un guide qui expliquera un petit peu... C'est ça, ouais, d'accord.
Pourquoi pas? Vous savez, messieurs, vous êtes trentenaires hein, tous les deux, vous prenez les risques hein, quand même, parce que artisan, chef d'entreprise, c'est pas très... pas de facile tous les jours quand même. Non, on peut pas vous dire que c'est évident. On peut pas vous dire que c'est facile, mais on est français, on aime la France, on aime vraiment. Ah mais ça veut dire que faire des meubles en moi, c'est un engagement citoyen quelque part. Enfin, bah, bon, quelque part, un peu, mais quelque part oui, puisque on aurait aussi la possibilité. Je veux pas rentrer dans certains débats, mais on aurait aussi la possibilité de se fournir ailleurs et de faire plutôt de la revente. Nous, on est plus dans la fabrication avec du bois local, avec de l'artisanat local, c'est-à-dire d'aller. Notre but est d'embaucher aussi, donc de créer de l'emploi derrière. Donc tout ça, ça quelque part, c'est citoyen aussi. Ouais. En quelque donc sorte. C'est circuit court, hein. Vous, enfin le plus près possible. Explique-nous un peu là, le bois, parce que bon, ce sont quand même des meubles de standing un petit peu, donc ce n'est pas forcément des meubles en pin. Non, tout à fait. Ouais. On a cherché dans la région un fournisseur de bois, ouais. et on a trouvé vraiment un bon fournisseur qui peut nous trouver du bois rare ou du bois des essences particulières. Tout à fait, ouais. Et on a un bon contact avec lui, donc ce qui se passe, c'est que la relation est super importante dans ces cas-là, puisqu'en fait, nous, on va chez lui, on lui explique un peu le projet qu'on a, quelle conception de table, etc., et on va sur le lieu et on choisit les planches, on les étudie, on les regarde, etc., on prend le temps d'analyser chaque planche. Donc vous faites le plan, on est d'accord, après vous faites un moule qui correspond au plan. Tant ouais, qu'à faire, c'est plus pratique, encore mieux. Ça aide, hein, ça aide, c'est pas mal. Et après, donc, vous coupez les pièces de bois que vous incluez dans le moule. Et une fois que le moule est fermé, vous mettez la résine. Tout à fait. Ça fait quoi? Ça chauffe, ça... Oui, en fait, on a un point, pas un point de fusion, mais je perds le mot, mais il y a une réaction chimique qui va se passer entre deux composants. C'est du bicomposant, donc c'est une résine et un durcisseur. Il faut savoir qu'à la base la résine est transparente, liquide transparente, et nous on vient la pigmenter suivant la commande du client, c'est-à-dire qu'on peut vous faire du bleu, du jaune, du violet, du fuchsia, de ce que vous avez envie. D'accord. C'est nous qui réalisons la pigmentation, et ensuite le procédé, une fois qu'on verse le liquide dans le moule, il va se passer un temps de séchage et un temps d'agglomération entre ces deux composants. Oui, allez-y. Ouais. On peut y mettre n'importe quelle pigmentation, ça peut être une pigmentation nacrée, c'est métallique ou juste quelque chose de teinté, juste une couleur bien précise. Et voilà, c'est. Vous avez des demandes un peu folles? On en a eu, oui, quelques-unes, ouais. Bah soit de l'incrustation d'objets. Par exemple, de l'incrustation d'objets, c'est-à-dire qu'au travers de la résine qui va être transparente, on peut y inclure, je ne sais pas moi, une carabine, on peut y inclure des pièces de monnaie. Puisque la résine est transparente, ensuite, on verra l'objet qui va apparaître à l'intérieur. Donc on a eu certaines demandes comme ça, ou après c'est plutôt des couleurs un peu folles, des couleurs un peu festives, un peu qui sortent de l'ordinaire. Ça peut même être du phosphorescent. Ouais. Donc, Oui, genre... Genre pour éviter de taper dans la table basse quand on va les faire. Ouais, ou même en boîte de nuit, ça peut être quelque chose de vraiment très tendance. Quelque chose. Je ne sors plus, moi, mon âge, c'est fini, vous savez, c'est terminé. Je vous propose, messieurs, que nous fassions une petite pause parce que ce sera le leitmotiv à chacune de nos rendez-vous ici depuis la Foire internationale. Le point de vue de certaines des jeunes filles qui se baladent ici pour TV7 dans les allées de cette foire. Regardez. Thank you.
Je suis une chèvre. Comment s'appelle le bas de la chèvre? Le bouc. Retour donc ici à la Foire internationale pour parler de Modom, hein, c'est ça, Modom. Alors vous faites des tables un peu particulières avec un procédé un peu particulier et vous avez l'intention de vous lancer et j'imagine de vous développer, c'est ça le rêve, on l'a abordé il y a quelques instants, mais parlez-nous un petit peu de vos idées, de vos envies là. Parce que sincèrement vous êtes des artisans, donc vous ne pouvez pas faire ça à une échelle entre guillemets industrielle ou trop importante. Donc c'est un petit peu là la limite, non, de l'objectif notre but commun en fait de créer une société ensemble et de s'associer, c'est vraiment d'aller créer de l'emploi, d'aller promouvoir certains jeunes qui sortent des écoles, d'aller rechercher des personnes en difficulté dans l'emploi aussi, et au travers de notre société qui va grandir. C'est notre souhait, c'est d'aller chercher un bâtiment plus grand, des locaux vraiment adaptés à quelque chose de plus grand, et d'aller pouvoir aussi rechercher des personnes vraiment pour créer de l'emploi. Ouais. D'accord, donc c'est une façon un petit peu différente de voir l'entreprise, hein, semble-t-il, par rapport à ce que vous dites. Ce n'est pas forcément on y va, on fait tout pour remplir le plus possible les caisses. Vous avez aussi une volonté d'insertion, de développement, de développement durable aussi. C'est ça aussi votre concept, votre idée? Oui, tout à fait. Ouais. Moi, je sais que dans mon parcours professionnel, j'ai fait des études en menuiserie. Et je sais que pour beaucoup de jeunes, c'est compliqué de trouver un emploi, job, ouais. Un job et un job tendance aussi. Donc c'est vraiment le moyen d'allier les deux, de trouver un job et un côté vraiment tendance actuelle. Et là vous diriez aux jeunes là, qui nous écoutent, qui ont une trentaine d'années, allez-y, foncez, osez, lancez-vous. Objectivement. Oui, il faut le dire, il y a des risques et il y a forcément... Ouais. Le premier risque, la première difficulté, tiens, puisqu'on a des jeunes entrepreneurs avec nous. La première difficulté, ça va être la paperasse, non? Oui, alors ça, on est en France, donc on va... Est-ce qu'il est nécessaire d'en parler? Non, après, c'est aussi familial, puisque il faut que c'est une histoire de famille, c'est une histoire de couple. Il faut que notre conjoint ou conjointe... Ouais, parce que tout le monde est embarqué dans l'histoire. Hein. Exactement, c'est une vie de tous les jours, c'est un combat de tous les jours. Et puis, donc, il faut que la famille, elle soit d'accord et qu'elle nous soutienne aussi là-dedans. C'est important. Alors, ça, le soutien familial. Deux, le financement. Si vous avez besoin de lancer un appel à des banquiers sur votre concept et qu'il vous manque quelques milliers d'euros, allez-y. Hein, nous, on recherche toujours des investisseurs et des gens qui vont croire dans notre projet. C'est sûr que ça nous donnerait un projet coup de pouce. Comme celui-là, ça doit intéresser, non? Quand oui, même, ça intéresse, c'est sûr, mais ouais. Le départ d'une société... Il est un petit peu plus... Non, du tout. Ça intéresse vraiment. Non, mais je sais pas. Non, ça intéresse, mais c'est sûr qu'on le sait tous, le départ d'une société est toujours plus ou moins complexe. Compliqué, ouais. Ouais, voilà. C'est quoi le principal cap à passer? On se dit, oula, ça commence à sortir bon. C'est avoir de l'avance dans les commandes, c'est-à-dire ne pas subir, mais plutôt pouvoir prévenir quelque part. Ouais. Le travail. Alors, il vaut mieux dire à un client, excusez-nous, mais ça sera, on aura un petit retard dans la livraison plutôt que dites donc, vous voulez pas de chercher vraiment le client tous les jours et. Ouais. Et alors là, vos clients pour l'instant, c'est Gironde, Nouvelle-Aquitaine. Ouais, c'est local, hein. C'est vraiment dans le coin. Alors nous, on a des contacts auprès de certains architectes ou alors même de confrères qui sont dans d'autres types de menuiserie, de l'ameublement, de l'agencement, des métalliers, des serruriers, des choses comme ça. Donc c'est un réseau de bouche à oreille dans tous les cas qui se crée. Et puis là, c'est sûr que la foire. Ouais. C'est obligatoire, ça ramène forcément des contacts. Ouais, ça marche bien la foire, ouais. Ouais, c'est notre première foire et c'était vraiment, on a voulu la faire toute première foire, c'est ça, ouais. Tout à fait, ouais. D'accord. Et vraiment pour voir aussi voir si le concept plaît. Et alors? Et il plaît. Il plaît. Vraiment, ouais, beaucoup. Bon. D'accord.
On a récemment un couple là qui n'avait pas spécialement envie de table et ils sont passés devant notre stand et le monsieur a eu un coup de foudre. La madame a eu du mal parce qu'elle nous a dit que ça faisait 40 ans qu'elle avait la même table. Aïe. Et vous pouvez être responsable d'un drame familial hein, avec vos tables fluo. Tout à fait. Là. Donc on essaye de trouver la possibilité. Mais oui, c'est vraiment c'est des coups de foudre. Ça plaît. Bon, quoi qu'il en soit, Mode Homme, hein, c'est ça. C'est effectivement donc une jeune société, vous l'avez compris, qui fait sa première foire, spécialisée dans les tables bois, résine, incrustation, fluo, tout ce que vous voulez. En fait, vous arrivez, vous dites, ah ben tiens, je vais vous mettre un truc dans la résine, faites tout. On peut ou tout presque. Étudier. C'est ça. Tout est possible. Ou presque. Ou presque. Hein, voilà, faut pas non plus. Alors après, juste pour rappeler qu'on ne fait pas que des tables, c'est-à-dire que vraiment, on étudie tout type de projet. Ça peut être ce type de produit peut être aussi un cadre de décoration, peut être aussi une table de chevet, peut être aussi une étagère, peut être. C'est vraiment des produits artistiques, donc on a toute possibilité de. D'accord. Un ordre de prix pour terminer. Sur une table basse, on est aux alentours de 1400, 1500 euros par exemple. D'accord. Voilà. Ok. Et après, effectivement, ça peut aller en fonction de la taille, etc. De la taille, de l'essence du bois, de la grosseur de la table. Bon, alors lorsque vous pourrez raconter votre histoire dans votre musée, hein, bientôt, parce que bientôt. Peut-être pas tout de suite, mais attendez un petit peu. Mais lorsque vous pouvez dire, bah, tiens, c'est sur TV7 qu'on a fait notre première télé, par exemple. Exactement, on en parlera. Hein, on en parlera. Et donc, vous pourrez mettre dans un petit écran à côté du garage. Hein, ce qu'on est en train de faire avec. Ouais. Et vous souviendrez. Ah oui, je me avec souviens plaisir. Bien. Ah, c'est plaisir. Ça. Okay. Après, pour l'instant, nous, on n'est encore que trentenaire. Donc, c'est vrai c'est vrai que le côté musée, bon. Oui, on va y réfléchir. Mais oui, non, pas tout de suite, mais non, dans 40 ans, vous verrez, c'est autre chose. Hein, voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous présenter. Ça fait du bien et ça fait plaisir d'avoir des jeunes comme ça qui, malgré tout ce qu'on peut entendre, malgré tout ce qu'on peut dire, se lancent dans l'entrepreneuriat avec une volonté aussi de pouvoir faire. C'est un anniversaire, là, on dirait un. Happy birthday. Ah ben oui, tiens. Happy birthday derrière. Donc des jeunes qui ont envie comme ça de se lancer, qui n'ont pas peur de le faire et qui en plus se disent, ben nous, on veut créer de l'emploi ici en France, on veut aider les gens en difficulté, qui sont un peu dans la galère, pourquoi pas. Donc voilà, c'est l'entrepreneuriat avec un engagement social. C'est ça, exactement. Merci en tout cas d'être venu. Nous, on se retrouve dans un instant, toujours ici, depuis la foire internationale. Nous allons parler du Japon. À tout de suite.